Les valeurs américaines ont ouvert en légère hausse ce mardi, alors qu'une progression du secteur de l'énergie dans le sillage des prix du pétrole porte l'indice S&P 500 à 1% de son record historique. Le dollar de son côté est à la baisse aujourd'hui. L'euro-dollar est stable à 1,1355. La livre britannique dollar est en hausse de 0,8% à 1,4562. Et puis le dollar yen est en légère hausse de 0,01% à 107,57. En focus aujourd'hui, l'euro-yen. La paire est inclue dans un canal haussier. Le RSI doit évoluer encore et des positions longues sont à prévoir au-dessus de 121,8 avec des cibles situées à 122,85 et 123,25 en extension. Les métaux précieux sont positifs aujourd'hui. L'or en focus voit se former une base de support à 1233, ce qui permet une stabilisation temporaire. Et puis des positions longues sont à prévoir au-dessus du support, avec des cibles situées à 1251 et 1258 en extension. Et puis on termine avec l'argent qui est en baisse de 1,14% pour une once 3 à 16,26 $. Pour Trading Central depuis la Bourse de New York, c'était Fanny Texier et je vous souhaite une très bonne journée.